Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Project Cars 2. On va le faire en multi aujourd'hui avec Romy One, comment tu vas? Ok, donc juste petite pause très rapide, là je suis en montage. Malheureusement, le rush n'a pas marché pour entendre la voix de Romion. Du coup, bah vous aurez que ma voix, je suis vraiment désolé. Mais dans la vidéo qui est sur sa chaîne, qui est en fait déjà sortie, qui est sortie lundi, on m'entend. Donc je vais mettre la vidéo, sa chaîne dans la description. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bah du coup je mettrai ta chaîne en description pour ceux qui veulent. Il fait aussi du F1, du Project Cars. En plus il a commencé une carrière LMP2, LMP1 pardon, il n'y a pas longtemps. Et du coup on va tester, on va faire une petite course en 1v1 sur Indianapolis en IndyCar. Et en gros je ferai, il y aura une vidéo sur ma chaîne et une vidéo sur sa chaîne à lui, une autre course. On sait pas encore ce que ça va être mais on verra. De toute façon on est côte à côte. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on a vraiment fait aucun réglage en chacun. Qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, on a 10 tours. Pff, ouais, je vois pas où t'es. Ah, t'es là. Wow. Je te vois même pas. Ah si. Ok. Oh merde. Bon, il y a des mecs qui rejoignent la partie, mais de toute façon, on a déjà commencé la course, donc on s'en fout. Ah oui, parce que t'as la manette en plus. Ah ouais, parce que sinon. Hop, on prend un peu d'avance. Est-ce que t'en as déjà fait un peu d'IndyCar ou pas? C'est vrai qu'au tout début c'est un peu. C'est pas très intuitif comme voiture, hein. Ça tourne à gauche tout seul. C'est... Après, c'est vrai que j'ai l'habitude, hein. Je dois avoir une dizaine d'heures sur Indianapolis. Allez, je suis loin là. Allez, je vais t'attendre un peu. Ouais. Ah là, Simon Pagenaud. Ah, comme ça, t'auras pas l'aspiration. Oh merde! Oh, je suis passé dans l'herbe. Non, c'est moi, en fait, je suis allé. J'ai trop braqué. Mais t'as pas de rétroviseur? Hop, à l'intérieur. Ouais. Oh merde, je suis passé en troisième. Ah! Magnifique.
Ouf. Oh merde, j'ai tapé le mur du coup. Je vais rester derrière. Ouais, toi aussi? C'est vrai, en IndyCar, il n'y en a pas trop, c'est plus que c'est plus dur pour tourner le volant, mais il n'y a pas des grands à-coups comme en rallye ou autre chose. Ah, j'attends, hein. Ah là, si mon pagenot. C'est quand même un sport de taré, hein. Faut être fou, hein, pour faire 200 tours tournant à gauche comme ça. Ouais. Ouais, je suis en cinquième tout le long et dans le virage, je suis en quatrième. Ah, c'est pour ça. Je mets la pression. Hop. Et c'est parti. Oh là, tu m'as ouvert la porte là. Oh non! Je t'ai vu vite fait dans le rétro, t'as volé. Ouais, non mais je suis allé un peu au forcing aussi donc. Ah, je sais pas. En vrai, non, en vrai, je sais pas parce que si je devais ralentir un peu, je serais pas passé. Non. Ah putain. Oh putain. Oh. Oh la gueule de nos caisses. Ok, donc maintenant la vidéo est terminée. Malheureusement, elle est beaucoup moins amusante que ce qu'elle était de base car tout simplement on n'entend pas Romion dedans. J'espère quand même qu'elle vous aura un peu plu, la fin était assez marrante. Du coup, comme je l'ai dit, je mettrai sa chaîne avec l'écran de fin, puis dans la description, puis la vidéo qu'il a déjà sortie sur sa chaîne dans la description et même peut-être dans les commentaires à voir. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tout le monde. A plus.